Salut les croque-lecteurs! Après l'interview de Manon Fargeton, on se retrouve pour un nouveau numéro de votre émission sur la littérature de jeunesse. Voici le programme du jour qui s'annonce croustillant. Tout d'abord, Caroline nous présentera son coup de cœur du moment, Ce feu qui me consume de Charlotte Bousquet. Ensuite, Antonin nous proposera comme plat du jour le nouveau roman de Christophe Mirecourt, Crime Tattoo. Enfin, Alexis a lu pour nous un roman paru l'année dernière, La quête des pierres de Luet de Karina Rosenfeld. Nous commençons tout de suite avec Caroline qui nous présente son livre. Hey les croque-lecteurs, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique. Je vais vous présenter Ce feu qui me consume, écrit par Charlotte Bousquet chez Rajo, et dans la collection In Love que nous vous avons présentée lors d'un reportage au Salon du Livre de Paris. Et peux-tu nous en faire un résumé ? Armando, un jeune homme de 19 ans, revient à Florence en vacances chez ses parents qu'il n'a pas vus depuis longtemps étant à l'université. C'est une personne brillante mais aussi un sage étudiant. Lors d'une soirée, il revoit une jeune fille qu'il a déjà vue auparavant. Sa beauté avait marqué son esprit lors d'un concours d'équitation où son meilleur ami l'avait embarqué. Son nom, Violetta. Elle chante, danse, fait la fête, mais surtout elle a une grande passion pour les chevaux. Violetta travaille au haras de Baldini, où elle éduque des chevaux pour qu'ils remportent de grands prix. Un peu plus tard dans la soirée, le meilleur ami d'Armando lui raconte que Violetta est malade, mais il n'en dit pas plus. En la raccompagnant, il lui demande ce qu'elle avait pendant qu'il dansait, car elle n'avait pas l'air d'aller bien. Armando arrive enfin à savoir ce qu'elle a réellement, une maladie cardiaque. Un premier baiser s'échange entre eux. Quelques jours plus tard, il décide d'aller la voir au haras, car il n'arrive pas à l'oublier. Son meilleur ami l'a mis en garde, il ne faut pas qu'il s'attache trop à elle, car celle-ci a peut-être une beauté étincelante, mais Violetta ne pense qu'aux chevaux et ne laisse pas de place aux autres dans sa vie. Violetta et Armando se retrouvent en tête-à-tête pour un dîner. Alors qu'il n'a plus signe de vie de celle-ci, depuis une semaine après leur dîner, Armando décide d'aller à une soirée où il est certain de voir Violetta. Pendant presque toute la soirée, il ne la voit pas. Tout à coup, elle apparaît au bras d'Eros, un ancien ami à elle, dont Armando est jaloux. Armando décide de danser avec une fille que Violetta déteste. Voyant qu'elle ne le remarque pas, il décide de rentrer chez lui pour lui écrire un email où il y jette toute sa rancœur. Le lendemain, Armando apprend que Violetta n'a fait que parler de lui pendant tout le reste de la soirée. Il se rend compte qu'il a fait une grosse bêtise et qu'il doit réparer cela. Quel est ton avis sur ce roman d'un genre que tu ne lis pas souvent ? T'a-t-il plu ? J'ai adoré lire le livre Ce feu qui me consume de Charlotte Bousquet. Il s'agit d'une adaptation très libre du roman d'Alexandre Dumas, La Dame aux Camélias. Comme vous le savez, je lis plutôt des thrillers, mais cette histoire est très bien écrite. À aucun moment je me suis ennuyée pendant ma lecture. En effet, le titre du livre est vraiment bien choisi, car on se rend compte durant notre lecture que l'amour qu'a Armando pour Violetta le dévore de l'intérieur. Il ne pense qu'à elle, à la serrer dans ses bras, lui dire qu'il l'aime et la protéger. Nous nous rendons compte que ce n'est pas une histoire d'amour banale. Il y a un véritable enjeu. Nous nous demandons si la passion pour les chevaux de Violetta ne la tuera pas un jour et ne gâchera pas cette histoire. Maintenant, je vais bien entendu vous parler de nos deux personnages principaux. Armando est un jeune homme de 19 ans, issu d'une famille bourgeoise. Il étudie dans une université qui est connue pour sa vie nocturne et revient en vacances à Florence. C'est un sage étudiant plongé dans ses livres depuis le début du lycée et ne sort que très rarement. Il fait la fierté de ses parents. Il est le contraire de Violetta qui, elle, aime faire la fête et cela toujours dans l'excès. Comme on dit toujours, les contraires s'attirent. On se demande si Armando arrivera à la calmer, à lui demander d'arrêter de boire et de faire la fête tous les soirs pour son bien. Durant ma lecture, j'ai eu beaucoup d'émotions différentes, tellement cette histoire m'a bouleversée. C'est un roman passionnant, émouvant et authentique qui nous émue tant la fin du livre est réussie. Pour ma part, j'ai préféré la première fin par rapport à la deuxième. Je vous laisse vous faire votre choix. Grâce à Armando et Violetta, nous nous rendons compte de ce qu'est le véritable amour. J'ai remarqué que cela les dévorait de l'intérieur, tous les deux. Ils pensent toujours l'un à l'autre, se battent ensemble et ils évitent de penser à la maladie de Violetta. Pour conclure, Charlotte Bousquet réussit totalement son roman. Elle nous transporte jusqu'au bout dans leur histoire d'amour. Je vous laisse le dévorer. Nous enchaînons maintenant avec Antonin. De quel livre vas-tu nous parler ? Aujourd'hui, je vais vous parler du tout nouveau roman de Christophe Mirecourt, Crime Tattoo. C'est un auteur que nous avions déjà interviewé dans l'émission numéro 25 du 6 juin 2014. Son dernier livre est une nouvelle fois édité chez Rajo dans la collection Heure Noire. Mais de quoi parle ce nouveau roman ? Antoine aide son père à tenir sa boutique de tatouages. Il n'est donc pas si étonné quand une gothique fait irruption dans le magasin. Elle avance sans prêter attention au portrait insolite attaché au mur et en planotant sur son téléphone. La fille quitte le magasin en oubliant son téléphone sur le comptoir. Après une courte hésitation et un élan de générosité, Antoine prend le téléphone et sort à la poursuite de la mystérieuse gothique. Au moment où il l'appelle, une camionnette blanche surgit de nulle part et kidnappe la fille.
C'est le seul témoin de la scène. Il veut donc retenir la plaque d'immatriculation du véhicule quand une explosion retentit dans une des boutiques. Il est soufflé par l'explosion. Ses derniers souvenirs sont de voir sortir la fille de la clémunette ayant terrassé tel un ninja ses ravisseurs. Quand il se réveille, il se retrouve à l'hôpital, entendant la discussion entre une infirmière et un inspecteur de police. Après avoir fait un rapide tour des lieux, Antoine demande ce qui lui est arrivé. Après des réponses approximatives et l'autorisation du médecin pour que l'inspecteur interroge Antoine, un interrogatoire commence. Antoine apprend que l'explosion a eu lieu dans son atelier et que son père est mort. L'interrogatoire se finit avec des questions de routine. Quand ce dernier a fini, l'inspecteur part en laissant Antoine avec un garde du corps, simple mesure de sécurité. C'est alors qu'une musique retentit. Curieux, il ouvre le placard où sont rangées ses affaires et sort le téléphone que le ninja gothique a oublié sur son comptoir. Quand il décroche, la fille lui annonce qu'il faut qu'il quitte l'hôpital de toute urgence, car il vient le chercher. Mais de qui s'agit-il? Et surtout, pourquoi? Et as-tu aimé ce roman policier? Je vais donc vous donner mon avis sur ce livre que j'ai littéralement dévoré. Tout d'abord, ce très bon roman policier est l'œuvre de Christophe Mirecourt, un habitué du genre à qui l'on doit notamment le titre « Ce que je n'aurais pas dû voir ». Un seul mot d'ordre, de l'action et encore de l'action. En effet, c'est un livre in medias res. C'est un procédé littéraire qui place le lecteur immédiatement dans l'action. Cela explique la présence d'une explosion dès le premier chapitre. Et l'action ne va pas diminuer au cours du livre, bien au contraire, elle augmente avec l'arrivée d'un groupe d'agents secrets. Tout le livre est un déchaînement d'action. De plus, l'auteur a su ajouter une part de fantastique à ce roman. En effet, un pouvoir de vision entre Antoine et son père les lie. Grâce à cela, le jeune homme est convaincu que son père est encore vivant et il part à sa recherche avec la fameuse gothique. Plus que cela, il sait où il va grâce aux visions très précises qu'il reçoit. Enfin, ce pouvoir se déploie dans les deux sens, car Antoine a été plusieurs fois sauvé par son père alors qu'il se trouvait dans des positions délicates. Pour finir, le duo de personnages principaux est vraiment très réussi, même si j'ai préféré Pauline. Je trouve ce personnage très charismatique. Elle est très mystérieuse et on apprend peu à peu des précisions importantes sur sa vie. Dans n'importe quelle situation, elle est pleine de ressources, ce qui lui permet d'échapper à ses ravisseurs et d'élaborer très vite des plans efficaces. Elle a, de plus, vécu son enfant en s'entraînant au combat. Elle essaye de rattraper ce qu'a fait subir son père à Antoine et à sa famille. En effet, elle passe son temps à dire que l'on ne choisit pas ses parents. Vous l'aurez compris, Crime Tattoo est un livre que j'ai véritablement adoré. Il mélange très habilement retournement de situation, action et des personnages aux caractères très différents les uns des autres. Je tire donc mon chapeau à Christophe Mirecourt pour son magnifique livre et j'attends avec impatience le suivant. Enfin, pour clore l'émission, Alexis nous présente son roman. Bonjour chers croque-lecteurs. Aujourd'hui, pour la rubrique Réchauffée, j'ai eu le plaisir de lire le premier tome de La quête de Pierre Duluet de Karina Rosenfeld, qui est une de nos habituées du croque-lecture. Celui-ci est la suite de l'extraordinaire trilogie de la quête des livres au monde, qui raconte comment Zek, Aiden, Louis, etc. ont recréé chez Beritalev des livres au monde. Peux-tu nous plonger dans l'univers du premier tome de cette série? Après avoir recréé chez Berit avec les livres au monde, Zek, Aiden et Louis partent à la conquête de chez Berit. Mais alors qu'ils sont censés partir pour Madjipour, leur route est déviée sur le désert d'Étal où se situent les tracés de Nazcaz. Ils ont reçu un message de Lodan qui leur demande de rejoindre les fouilles archéologiques. Celui-ci a déterré une pierre ayant la forme d'une goutte. Elle viendrait de Lué, qui est une des deux lunes de chez Berit. Ils partent donc dans le désert d'Étal pour élucider ce mystère. Mais nos héros vont vite avoir des surprises. En effet, Lué va se placer dans l'axe de la pierre et celle-ci va se mettre en lévitation. De plus, Eluan, chercheur archéologique du site d'Étal, a disparu. La nuit précédente, Zek distingue dans le noir un chébérien aux ailes marron. Zek et Eden partent à sa recherche. Alors qu'ils avancent petit à petit, ils voient au loin une silhouette. En s'approchant, ils découvrent un chébérien à la couleur des ailes rouges. Effrayés, ils essayent de s'enfuir, mais celui-ci dégaine un couteau pour les abattre. Mais venu de nulle part, l'homme aux ailes marron surgit et fonce sur l'homme aux ailes rouges. Zek et Eden en profitent pour s'enfuir. En revenant du désert, en pleine nuit, ils trouvent une pierre et décident donc de s'y poser. Mais alors qu'ils allaient repartir sur le reflet de l'UE, la pierre s'éclaire et monte des signes. Eden profite de ce court instant pour dessiner les signes. Mais alors qu'ils rentrent, le phénomène se reproduit avec la pierre qu'ils ont retrouvée. Celle-ci indique que 5 pierres doivent être trouvées, et il manque plus que 3, car la deuxième a été retrouvée au musée de Sulvat. Ce roman a l'air plein de fantastique. Qu'en as-tu pensé? Parmi de nombreux romans que j'ai lus, La quête des pierres de Luet appartient sans le moindre doute à la catégorie des meilleurs livres. Il n'est absolument pas nécessaire d'avoir lu la première trilogie pour se lancer dans cette nouvelle aventure. Tout d'abord, j'ai trouvé la couverture magnifique. Dès la première impression, cela m'a tout de suite donné envie de le lire. Sur l'illustration de Maja Macaré, les lecteurs découvrent deux des trois personnages principaux qui entourent la pierre de Luet en lévitation.
Mais ce qui m'a attiré le plus dans l'histoire, c'est la découverte de la planète Chébérit qui est vraiment différente de la Terre, avec notamment ses deux lunes et son ciel violet. On y voyage en même temps que les héros découvrant ce monde nouveau, si original. On y découvre deux groupes, les Chébériens aux ailes rouges qui s'opposent à ceux aux ailes marrons, qui sont les défenseurs des ailes blanches qui vont les trahir à la fin du livre. De plus, Karina Rosenfeld a intégré une vraie quête, une grande aventure, comme la trilogie de la quête des livres au monde. Il faut que les héros rassemblent encore trois pierres, en effet, deux ont déjà été retrouvées. Enfin, c'est avec plaisir que l'on trouve tous les personnages connus qui ont tous mûri, puisque l'histoire se déroule 2 ans après la précédente trilogie. Mon personnage préféré demeure Louis, le meilleur ami de Zek. Il est le seul auquel on peut vraiment s'identifier, même si Zek et Eden peuvent nous faire rêver. Le seul humain du groupe se sent un peu rejeté. Il est le seul qui ne possède pas d'elle. De plus, Zek sort avec Eden, tout cela le rend jaloux. Mais malgré ça, il va rencontrer Alice, qui est dirigeante du musée de Sulvat, où se situe la deuxième pierre de Luet. Il va donc en tomber amoureux. En définitive, le premier tome de la quête des pierres de Luet, qui s'intitule La pierre d'Étale, est un livre fantastique avec des histoires à la fois romantiques, effrayantes, sanglantes et mystérieuses. On en redemande, heureusement, le deuxième volume est sorti en février. Cette émission est maintenant terminée. La semaine prochaine, nous vous proposerons de nouvelles chroniques avant les émissions de fin d'année pour présenter des romans et des mangas qui nous semblent indispensables et que vous pourrez découvrir pendant les vacances. C'est la loose quand même ça. Qu'il n'a pas vu... Non, je reviens. Je bug un peu. Plus tard, il décide d'aller la voir au Hara. Au Hara. Déjà que j'ai une voix de canard, alors comme ça... Non, 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 je voulais pas. C'est pas vrai. Ça, c'est pas français si... Déjà que je parle pas français, comme ça, c'est bon. J'en rate pas une. Quoi ? Voilà. Oh là là.